Coucou! Alors voilà, on est de nouveau ensemble, qui plus est, si on peut dire, pour une nouvelle série, une nouvelle vidéo de la série, donc Les Secrets du Nos-Pères. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 16, je crois, je sais plus. Oui, je crois que c'est la 16, qui est donc les cours, les fameux 6 crédits, comment s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Et souvent, ben, on se fait pas plaisir, donc ben, je vous raconte un peu tout ça. Donc, on a un visa, ce qu'on appelle J-, qui donc est un visa considéré comme étudiant. Donc, il faut qu'on suive des cours. Le nombre minimum d'heures de cours qu'on vous demande de suivre avec Cultural Care, puisqu'il y a une autre agence qui demande moins d'heures de cours, mais qui demande du volontariat. Donc, moi, je vous dis avec Cultural Care. J'essaierai d'en dire un peu plus, mais comme je ne sais plus les noms, je vais demander, je rajouterai une nouvelle vidéo avec cours partout, part 2, avec les filles qui sont avec Au Pair in America et Léo avec qui, je ne sais plus, voilà. Bon, je ferai ça plus tard. Donc les cours avec Cultural Care. Donc les nombres d'heures que vous devez faire, c'est 72 heures. 72 heures ou 6 crédits. Parce qu'il y a des écoles qui comptent en heures, des écoles qui comptent en crédits. Voilà. Alors, pour vous dire de suite, on n'est pas obligé de faire des cours d'anglais. Beaucoup d'entre vous vont dire oui, on est obligé, machin. Non, on n'est pas obligé. Si vous le souhaitez, vous pouvez en faire. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas parce que tu es au pair que tu faut que tu prennes des cours d'anglais. Tu peux t'amuser à prendre des cours d'autre chose. Moi, par exemple, j'ai pris. L'an dernier, j'ai fait une série ben, de 6 crédits, de 72 heures de photos. Donc, j'ai fait la photo en général, comment on apprend à se servir de l'appareil photo. J'ai fait de la photo portrait, comment on prenait en photo les photos de groupe, les photos de studio, machin. Et j'ai fait la photo nature. En sachant que j'avais pas forcément le matos pour faire photo nature parce que j'ai pas de macro. Donc, c'est vrai que ça a été un peu plus dur, mais. Mais voilà, je l'ai fait, c'était super cool, ça m'a appris plein de choses. Et mine de rien que ça te fait bosser l'anglais parce que ben, comme les cours sont en anglais, que les exercices sont en anglais, qu'il faut que tout que tu parles en anglais, t'apprends l'anglais. Parce que, ok, t'apprends pas la grammaire, la conjugaison. Donc des fois, t'as les autres un peu qui rigolent parce que t'as dit une connerie plus grosse que toi. Mais c'est pas très grave. Voilà, ça dépend comment vous voulez voir. Si vous voulez. Vous dire, moi je suis là, je veux faire de l'anglais, je veux ressortir de l'anglais avec un bon niveau d'anglais et que vous voulez absolument faire des cours parce que papa, maman vous poussent derrière, ben allez-y, faites des cours d'anglais. Et ça pourra être très très bien, comme ça pourra être super chiant. Si vous voulez faire autre chose, ben, profitez que vous ne soyez pas chez vous pour faire autre chose. Il y en a qui prennent des cours de loi au niveau. Non, comment on appelle ça? Truc judiciaire là. Oui, bah le truc judiciaire, voilà, il y en a qui font des cours de théâtre, il y en a qui ont pris des cours de Zumba, il y en a qui ont pris des cours de self-défense pour leur crédit. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut si on cherche un peu. Voilà, c'est tout. Après, de ce que j'en connais. Après, vous allez voir, ça dépend de où vous arrivez, mais vous pouvez être sûr qu'à peu près dans toutes les grandes villes, pas loin de chez vous, vous allez avoir ce qu'on appelle des cours faits pour les au pair. Alors, vous avez, ben, sur Boston, vous avez ce qu'on appelle le MASB. MASB est fait pour les au pair, donc des cours d'anglais, machin, du soir, de ce que vous voulez. Ou sinon, il y a ce qu'on appelle le Au Pair Adventure avec MASB, qui fait que vous avez 3 samedis. De 9h à 13h, je crois. 9h-13h, 9h-15h, je ne sais plus. Enfin, 3 samedis, vous avez cours. Donc, vous faites l'histoire des États-Unis, vous apprenez à placer les États des États-Unis sur une carte, vous faites des exposés. J'ai vu que les filles avaient fait des exposés sur les clichés américains ou tout ça. Voilà, vous faites ça. MASB. Comment dire, c'est une façon rapide et efficace
de faire ces 6 crédits très vite avec la bourse qu'on vous donne. Parce que je crois qu'on s'en sort facile avec MASB, on s'en sort avec les 500 $ qu'on vous donne. Ensuite, bon, avec le MASB Adventure, là, de truc, Adventure, qui dit Adventure dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, il y a des voyages. Donc, il faut que pour chaque cours, pour chaque session, vous faites un voyage. Donc, vous avez Montréal, Québec, DC, Philadelphie, les chutes du Niagara. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc, il faut compter en moyenne 300 $ par voyage. Il y en a que ça fait un peu moins, c'est 285, il y en a qui sont un peu plus. Sachant que là-dedans, y compris le bus, l'hôtel et une partie des visites. Après, il peut y avoir des visites qu'il faut rajouter. La bouffe, pas compris. Moi, je pensais, quand je suis allée à Québec, que. Et ben voilà, qu'on allait faire genre, t'es au pair, tu fais un voyage, t'as payé, tu fais truc tout compris. Non, en fait, tu te payes ta bouffe, tu payes les extra les activités en plus. C'était Québec avec le carnaval, et ben, fallait te payer le carnaval. L'hôtel de glace, fallait payer l'entrée pour l'hôtel de glace. Voilà. C'est. Mais c'est cool. Toutes les filles le font. Voilà. Si vous voulez être avec vos copines ou vos copains, rencontrer des nouveaux gens aussi, voilà. Allez à Masbé. Voilà. Après, je sais qu'il y en a un sur New York qui s'appelle Silver Bay. Vous pouvez trouver la page Facebook. Silver Bay a l'air un peu mieux. En tout cas, au niveau des cours. Parce que. Je sais pas encore, je suis pas allée et j'irai pas parce que j'aurai pas le temps. Mais en fait, ce que vous faites pendant le week-end, c'est un week-end ou deux week-ends? Faut que je regarde. Je vais vous mettre le site, le lien du site sur la vidéo ou en commentaire. Je sais pas si je peux le faire en vidéo parce que j'ai pas tout coché. Donc, je vous mettrai les liens des différentes écoles que je connais pour au pair, pour faire ça. Donc, si l'objet, ce qui est bien, c'est que vous avez plein de programmes un peu plus cool, autre que Histoire des États-Unis. Vous avez la photo que j'y avais vue, tout ce qui était site internet et tout ça. Après, il y en a un du côté que je me souvienne, c'est dans le New Jersey ou dans le Maryland, dans le Maryland qui est super, que j'ai failli faire. Ils faisaient les. Ils font les langages des signes, l'autodéfense, je sais plus, ben, tout un truc. Vous aurez les liens avec tous les descriptifs en commentaire dessous. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Ça, c'est la façon de rester entre au pair, de le faire assez vite et de ne pas avoir de problème avec Cultural Care. Parce que moi, l'an dernier, comme j'avais pas fait mes cours d'anglais, pas dans la structure au pair, donc j'étais toute seule, j'étais dans des cours d'adultes quand même. Ah ouch, mes cheveux ils sont accrochés. Des cours d'adultes, j'étais pas avec des vrais jeunes américains de mon âge parce que c'était des jeux, trucs formateurs, même si j'en avais, mais on a, voilà, la moyenne d'âge, elle était à 30 ans. On était 3 ou 4 jeunes, mais après, voilà, on était plus vieux. Voilà, on a fait ça. Voilà. Après. Ça permet de rencontrer des gens. Si vous sortez en dehors des trucs au pair. Je sais qu'il y en a beaucoup là, quand on lit les textes, les confessions, les machins, qui râlent parce qu'ils connaissent pas d'Américains. Mais oui, mais parce que vous restez toujours. On cherche la facilité, ce qui est normal. Donc, on reste dans les. On cherche pas plus loin que le bout de son nez. Et donc, on reste forcément avec son clan. Moi, je suis partie, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré deux super copines. Enfin, on se voit pas beaucoup parce qu'elles sont à l'université, mais voilà, l'été dernier, j'ai fait un club d'écriture. En plus de m'améliorer en anglais, ben voilà, on a rencontré du monde, on faisait des sorties, c'était assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Même si votre LCC vous prend pour une barjot parce que vous voulez pas faire les cours d'anglais, si vous faites quelque chose qui vous plaît, ça finira toujours par payer. Vous vous sentez pas obligé d'aller faire les cours chiants.
Sorry. Vous ne sentez pas obligé de faire les cours chiens parce que vous êtes au père et qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, il y a plein de petites choses. Si vous voulez vraiment faire des cours d'anglais, il y a souvent les églises ou des associations qui donnent des cours d'anglais gratuits ou à moindre coût le soir ou les week-ends. Donc, pas la peine, si vous ne le voulez pas, de dépenser 1 000 $ pour 2,5 crédits à Harvard. Voilà. Moi, je sais que je me suis beaucoup posé la question si j'allais faire mes cours à Harvard ou pas. Et comment dire que ça ne me sert à rien. J'ai pas envie d'être dans le business, j'ai pas envie d'être dans l'international, business international. Donc ça me sert. Ça, bien sûr que ça fait houhou, je suis allée à Harvard, j'ai un diplôme d'Harvard. Ça fait bien sur le CV. Mais dire déjà que t'es passé 1 an ou 2 ans aux États-Unis, même 6 mois aux États-Unis, que voilà, ça fait déjà bien sur ton CV. Après, c'est de la frime. Frime si t'en as besoin. C'est voilà, si t'as besoin d'aller, si tu vas en business, en communication, ok, va à Harvard, va à Georgetown, va à Princeton. Fais les universités qui sont pas loin de chez toi. Voilà, fais ça. Mais si t'en as pas besoin, sincèrement, 1 000 $, tu peux les dépenser ailleurs. Hein. Voilà, tu peux aller te faire un voyage, tu peux aller te faire un super week-end. Voilà, donc après, voilà, tout est question de choix, de priorité. Moi, j'ai fait les miennes. J'ai décidé que j'allais apprendre des choses que je pourrais pas apprendre, que je pourrais pas et que je voulais pas apprendre en France parce que je pensais que c'était pas possible. Donc je me suis amusée à faire des trucs de fou. Donc photo, là j'ai fait tourisme, ce qui est assez intéressant parce que ben on se rend compte que le tourisme français et le tourisme américain est pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un peu du mal au niveau des principes de consommation pure et dure. Là, moi, j'ai été formée en tourisme au niveau ben, du tourisme, tourisme vert, tourisme machin. Et là, ce qu'on voit, c'est juste du tourisme de masse avec les bus, les machins. Donc, c'est vrai que c'était un peu dur parce que c'est pas ma vision du voyage, mais passons. Après, j'ai fait des cours d'événementiel, comment créer un événementiel, comment gérer un mariage, comment... Ça, c'était trop top. Et ça, tu te dis, ben... Même si je ne vais pas me lancer dans ma carrière d'événementiel, ça peut toujours me servir. Par exemple, voilà, si je travaille dans une association et oh, aujourd'hui, tiens, on va fêter la 100e année de l'association. On fait une journée. Oh merde, eh ben tiens, Hélène, elle sait faire ça. Voilà, tout ce que vous allez apprendre peut vous servir. Même l'anglais, hein, ça vous servira. Mais je sais pas, profitez de vous être ici, de faire un truc de fou. J'en connaissais à New York, ils sont partis faire des cours de théâtre. Vous êtes aux États-Unis, profitez un peu. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Have fun. Donc, et la prochaine vidéo sera les vacances. Super. Alors, les vacances, comment ça se passe? Ouh, moi, je suis pas bien placée pour parler de mes vacances. Parce que t'as 2 semaines. Ça fait 2 ans que je suis là. J'ai pris que 2 semaines. Mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Allez, j'espère que j'ai essayé de vous aider. Que vous avez compris ben, que voilà, tout vous est permis. Que après, bien sûr, il y a des choses qui sont plus compliquées à d'autres qu'à faire ou pas. Je comprends toutes les filles qui ont fait... les cours MASB et tout ça, c'est normal, c'est cool. Voilà, moi, c'est juste que ça, je voulais pas le faire. J'aime pas être comme tout le monde, alors j'ai juste décidé de faire chier de mon monde entier, de dire, moi, je ferai pas ça. Donc, voilà, avec tous mes trucs un peu de partout, je demande aux filles qui sont avec Au Pair Care, Au Pair in America, c'est peut-être les mêmes, je sais plus, ça change tellement de nom ici que... Voilà, je demande ça, je mets ça en commentaire ou si jamais j'ai plus d'informations, je vous ferai une vidéo court par chapitre 2. Voilà, donc see you later for the next one. Ciao, ciao!